avec la révision orale, the revision, the oral exam. So try not to focus about the main points to revise it before the oral exam. Starting the first lesson talk about the animals, nos amis les bêtes, and we talked about what we have in this unit. Talk about the animals in the first lesson. Qu'est-ce qu'il y a au zoo? 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 Au zoo, il y a des animaux comme des singes, des serpents, des perroquets, des crocodiles, des girafes, des ours. So why do it here? Des ours, des lions, des éléphants. Qu'est-ce qu'il y a au zoo? Au zoo, il y a des animaux comme des singes, des serpents, des perroquets, des crocodiles, des girafes, des ours, des lions, des éléphants. After that, the next second lesson, we talked about how we can use some animals to make some expression. Like, que veut dire, what the meaning of the first one? We'll listen now and drop and down the name of the animal or what the meaning. Il a très faim. So, il a très C'est le faim. loup. C'est le loup. C'est le loup. So, que veut dire? Il a très faim. I can use, il a une faim de loup. C'est le loup. Another one. Que veut dire? Il ne peut pas. C'est le. Elle ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. C'est. Voilà. C'est. Here what we use it. Avoir un chat dans la gorge. Il ne peut pas parler. C'est le chat. Avoir un chat dans la gorge. Another one. Que veut dire il n'a pas? Elle n'a pas très faim. Elle n'a pas très C'est. faim. C'est. Here I used which animal? Les petits oiseaux. J'ai un appétit d'oiseau. J'ai un appétit d'oiseau. Que veut dire? Il a une très bonne. What? Elle a une très bonne mémoire. Oui, il a une très C'est. bonne mémoire. C'est le. Oui, ici j'utilise quel animal? J'utilise l'éléphant. Donc c'est avoir une mémoire d'éléphant. Avoir une mémoire d'éléphant. Il a une très bonne mémoire. Another one. Que veut dire il est très c'est le il est malade il est malade il a beaucoup de température ici c'est which animal we use it oui c'est le cheval et là ou bien we use here verb avoir une fièvre de cheval avoir une fièvre de cheval. Que veut dire il a très elle a or elle a très elle a peur elle a peur elle a froid elle a froid c'est le on utilise le verbe avoir avec quel animal oui avec la chair de poule la chair de poule la chair de poule so you must study all the meaning and what the similar ad expression can use with animal. The second one, tu connais les animaux de cette ferme? Tu connais les animaux de cette ferme? Oui, dans cette ferme, il y a des vaches, des moutons, un âne. Oui, dans cette ferme, il y a des vaches, des moutons,
un âne. Que donnent les vaches? What give to us? The cow, what we can have from the cow. Que donnent les vaches? Les vaches donnent du lait. Que donnent les poules? Les poules donnent, chicken, des œufs. Attention, here F and S, I don't say it. Des œufs, des œufs. If I say one only, I say an œuf. But here is plural, I don't say the letter F or S. Les poules donnent des œufs. Comment s'appelle la maman mouton et les petits? What's the name of the mother of the mouton et les petits? And the son. La maman mouton s'appelle Ruby. Et le petit s'appelle les agneaux. La maman mouton s'appelle Proby. Et le petit s'appelle les agneaux. So that's the revision. Inshallah, you will have a good mark. And thanks.